Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 28 du Let's Play de Construction Simulator en compagnie de Rick et TVH. On a un problème. Et on se reprend sur la map et on a déjà un problème. Quel est le problème? Je vais sur le camion et je me dis, attends, il n'y a plus qu'un seul truc et on en a posé qu'un seul. Les autres sont sur l'autoroute. Ah, on a des problèmes encore avec les... Ils sont partis jouer sur l'autoroute, les trucs. Attends, il y en a beaucoup qui sont partis, là? Ah, les bagnoles passent à travers, en plus. Moi je vois rien, là. Il y a quelque chose d'anormal, Rick? Ah, j'en ai trois, là. Oui, ils sont au milieu de la route, il y en a même un de l'autre côté, je peux pas aller les chercher. Les vois sur le camion, sur la remorque du camion? Parce que sinon, tu le fais, hein. Moi, je les vois sur la remorque du camion. Fais la grue, alors. Ouais, et dans ce cas, je les vois sur l'autoroute, comme Rick. Encore un bug, les vieux. Je vois les trois, effectivement, sur le cul du camion. Parce que moi j'en vois qu'un seul. Moi j'en vois qu'un seul, je suis comme Rick. Vous allez voir, comme quoi le jeu est bugué. Espérant que ça fonctionne. En espérant que ça fonctionne. Sinon on serait une ellipse, les viewers, tout simplement. Je vais déco-reco au cas où. De toute façon, dès que je l'ai chopé, à mon avis, ça va se réactualiser, vous allez le voir dans ma grue. Je suis pas sûr. La dernière fois, j'en ai 4. J'en ai 4, c'est le bon moment, c'est 4. Ok. Bon, la dernière fois, je voyais les poutres dans les airs. Regarde là, est-ce que tu vois quelque chose là dans le. Sur la grue? Oui. Mm-hmm. Je sors du camion. Hein. Oui, mais celui-ci il était déjà celui-ci. Ah, d'accord, il y a les trois autres derrière, t'inquiète pas. Mm-hmm. Donc on va poser celle-ci. Oui, s'il prend le seul qu'on voit. Alors je vous rappelle les viewers qu'on est en train de terminer notre aire de repos d'autoroute. Ouais, heureusement que j'étais là. Hein. C'est quoi le rapport? Parce que j'étais pas du tout là, mais c'est vraiment. J'ai rien compris. T'as dit on était en train de faire l'aire de repos. Moi je dis heureusement que j'étais là alors que j'étais pas là. Oui, parce qu'il était pas là. Pour ça. Ah d'accord, c'est de l'ironie. Oui, c'est là côté drôle. Voilà, alors. Forcément ça tombe à plat. Est-ce que Rick ça s'améliore? Rick, t'es là? Oui. Ouais, je suis en train de charger là, ça sauvegarde de la partie. Regarde, et là, est-ce que t'as quelque chose? Ouais, c'est bon, tu l'as récupéré sur l'autre voie d'autoroute, c'est bon. Ah bon? Ça fait quoi? C'est ça? Très rapidement, j'ai même pas vu le déplacement. Ah, donc ça a translaté tellement rapidement. Téléporte alors? Téléporte. Oui. D'accord, donc Rick. Dis-toi, c'était sur de l'autre côté de l'autoroute, sur la voie de gauche. Non, mais le jeu, il est foiré. Désolé, passez les biens, hein, encore une fois, j'arrive. c'est sympa, mais. Si vous arrivez à outrepasser la multitude de quantités de bugs. Ouais, il y a quand même des bugs. J'arrêtais de les recenser depuis le temps. Il y a beaucoup de bugs de synchro, donc en fait, si on joue en solo, déjà, je pense que ça devrait bien se passer quand même. Enfin, beaucoup mieux. Ouais, même en solo, j'ai eu des problèmes. Avec certaines quêtes où j'avais pas le point d'arriver. Et c'est là, la TVH, ça fait quoi? Tu l'as refait à pareil. C'est bon, vu que toi c'est bien. Et toi, Rick, tu les revois normaux ou pas? Là, moi je les vois posés, 3 sur 5. Alors, jusque-là, toujours sur l'autoroute. Ok, toujours sur l'autoroute. J'ai un mur plein sur l'autoroute. Non, il en reste un, c'est normal. Il reste un mur plein, mais qu'un seul. Qu'un seul. On le voit sur l'autoroute. Donc, vous le voyez au moment. On se doute bien qu'il y a un problème de synchro puisque les voitures passent à travers, sinon elles seraient bloquées. Voilà, je prends le dernier, tu vas voir, c'est comme toi, c'est sur le camion. Comment? Pour les voitures de l'autoroute. C'est sur le camion aussi. Elles sont sur le camion, comme pour toi. T'as heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Il y aura des accidents, tout le monde dirait non, mais moi je l'ai vu sur le camion, le truc. Enfin, tu vas me dire, ça arrive, parce qu'il y en a qui croient voir le feu vert alors qu'il était rouge. Ouais. Ou alors ils mentent. Alors une fois, ça m'est arrivé qu'une fois, il devait y avoir le soleil qui reflétait dans les feux, j'étais incapable de dire lequel était allumé. Ah oui, non mais ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais ça c'est involontaire. Ah oui, c'est pas juste. C'était même dangereux parce que j'avançais vraiment. Voilà. Ok, j'ai d'autres tâches à faire. Est-ce que TVH, tu veux les faire du coup pour changer ou pas? C'est lesquels? Alors, il y a des murs intérieurs, il y a 5 composants là, qui sont à l'intérieur, qu'il faut mettre là où tu viens de passer, là, en bleu. Ah, c'est juste là. Ouais, c'est ces 5 là, ok. Oui, j'arrive. Donc tu les vois bien. Non, c'était pour être sûr, avant que je te dise oui, vas-y, tu replaces tout, j'arrive, je les vois pas. Vas-y, rentre dedans. Ce que je propose avec Rick, c'est qu'on mette déjà en place peut-être la machine, là, la bétonneuse, parce que... la bétonneuse, c'est ça, la bétonneuse. Ou bien,
C'est bon. Y a un truc ? Non, t'inquiète, ça a failli voler. Parce que là, c'est des murs, des placements de murs, ça d'accord. Après, structure porteuse, livraison ouais, de matériaux. Il y a de la marge, hein, là. Oui, bétonnage, t'as encore un petit peu de temps. Par contre, on a une livraison. Alors, la livraison, faut la faire où ? Faut aller la chercher ou. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, les poutres, elles sont là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Devant toi. Ça s'est fermé tout seul, là. Ah oui, c'est parce qu'on a placé un, d'accord. Les poutres, elles sont devant moi. Donc, la livraison. Donc, faut les disposer, c'est ça. Dans... Les viewers, faites pas attention à moi. Non, on ne voit pas, t'inquiète pas. Ouais, parce que t'as des murs qui bondissent en l'air pour sortir des autres. Un problème de son. Je reviens. D'accord. Donc là, vous voyez les viewers. Hein. Oh, j'ai tout vu. Oh, que j'ai tout vu. Est-ce que t'as entendu aussi le bruit du mur ? Non. Ça fait un. Quasiment. Juste, c'était pas compté, mais ouais. Alors en général quand ça fait ce bruit là les viewers on sait ce qui va se passer, ça fait trrrr et puis dès que ça s'arrête et ouais, ça va partir comme la dernière fois avec Kaye et Farah et Camionette hein. Attends, c'est quoi merde, il fait comment Rick? Voilà. Oh merde, ma caméra était ou bien. Voilà. Ok, parfait. On va dire que c'est passé mais... C'est à moi de dégager attends. Ouais non mais là on est en même temps, on est un petit peu sur la fin donc voilà. Tiens là tu vois ce que tu dois faire. Et plus on avance, plus on fout le bordel partout. Hein. Alors là, t'as deux poutres en acier et des composants de plafond. Tu les vois, ils sont tous là. Hein. Par contre, oh, il y a des. De la grue. Il y a les tôles ondulées et les trucs en bois, là, faut pas que tu les prennes. Ok ? Ouais, normalement, je vois ce qu'il faut que je prenne. Ok, et ensuite là, donc là, ici, ça va être les plafonds devant. Et par contre, les poutres sont où ? Elles sont à l'intérieur ? Non, elles sont pas à l'intérieur, évidemment. Elles sont pas à l'intérieur. Alors j'espère que tu tenais pas la toupie parce que j'ai tapé dedans. Non, pas du tout, je suis pas du tout la toupie. En parlant de toupie les vues, rien à voir mais ça me permet d'enchaîner. Vous vous souvenez que, ou pas d'ailleurs... Parce ça fait que un bon bruit d'acier en tapant dans les murs. On essaye de faire ceci là, dans l'entreprise, on essaye de passer le niveau d'amélioration M, qui est quand même assez costaud. Comme vous voyez, on est plutôt pas mal. Là, il nous manque juste un véhicule, mais après, on aura les 12, donc c'est bon. Ici, ça, on va vous en parler dans une seconde. Contre-mètre, on peut l'acheter, parce qu'on a 100 000. Faut shoot tous les poutres. Ah, c'est là, à côté des camions, ok. Un prêt, on peut faire un prêt d'un million, mais on n'a pas besoin. Et situation professionnelle, on l'a débloqué, voilà, deux contrats supplémentaires. Donc en gros, il ne nous reste plus qu'à acheter ça, un contre-mètre. Tu après, peux me décaler le pifier à béton, s'il te plaît. C'est de là, le ravitaillement en carburant et la réparation, sachant que c'est 4%, parce qu'on doit en faire 25, donc 4% par ravitaillement ou réparation. Et le problème, c'est qu'on est. Enfin, le problème, ou pas, c'est qu'on a 64 et 68. Tu voulais que je fasse quoi ? Tu peux me décaler la pompe à béton ? Ouais, ça marche. Parce qu'en fait, je l'ai cherché et il est coincé dedans. Moi, de mon côté, t'as mis le contact avant même de rentrer dans le véhicule. Ouais, non, mais. C'est trop, je dis. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour que ça tourne pour vous les viewers. Hein, j'espère que bon nous on arrive à le faire à tenir hein, jusque là. Je dis à le faire. Il y a des fois si non je crois que depuis le début qu'on a fait le let's play, je crois qu'il y a eu deux fois en fait on a laissé tomber l'étape parce qu'on n'arrivait pas. On était coincé. Peut-être parce que je sais qu'on quand on avait fourré l'éolienne c'était compliqué mais on s'en est sorti. Oui non il y a des choses en fait on arrive à force de bidouiller mais clairement on est vraiment en cours de debug. Quand il y a une poutre qui aura du sol qui est en train de se tourner dans tous les sens là. Ça c'est pas normal. On arrive quand même au final à pas passer l'étape, mais on devrait. Bon, dans l'ensemble, voilà, on s'en sort quand même plutôt bien. C'est pour ça que le jeu voilà, est faisable parce qu'il y a beaucoup de boutons réinitialisés. Merci pour la toupie. De boutons réinitialisés justement pour réinitialiser les véhicules pour éviter justement qu'ils restent coincés. Et après, on peut passer les étapes dans le cas où l'étape justement est coincée aussi. Donc, conclusion, en fait, on arrive à avancer quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est bien. Donc je reviens à mon histoire d'essence et de réparation là, vous avez vu on était à 64 et 68%, je sais plus pour lequel d'ailleurs, pour ça je peu importe. Ce qui veut dire que si on est à 68, on n'a plus que 8 réparations ou ravitaillement d'essence, et celui qui a 64 ça fait 9 réparations ou ravitaillement d'essence. Donc on avance, ce qu'on va essayer de faire c'est garder les véhicules le plus possible dehors pour les re-remplir dès qu'on peut en fait, remplir en essence et les réparer. J'ai pas pris le bon. On espère que ça passe. Non, t'as pris les taux que je t'ai dit qu'il y a... Oh, mais de là où j'étais avec la lumière, c'était pareil. Non, eh oui, ils sont beaucoup plus clairs. Bah, si tu veux, j'ai regardé maintenant, au cas où tu fais une connerie. Mais le mur en béton, bon, il est là. Celui-ci. Il est là. J'arrive même pas à grimper dessus.
Parce que t'as mis mur devant. Ah, parce que je te fais chier avec. Ouais, il est celui-là, celui-là, voilà. Bah attends, je peux pas poser. Ouais, ah, c'est bon. Voilà. Ça, c'est parce que Kaya a commandé en fait toutes les pièces d'un coup, et du coup, bah voilà, on a tout qui est un peu. Qui s'est un petit peu rentré dedans. Et puis on va bosser de nuit, encore une fois, les viewers, hein, c'est le jeu, malheureusement, on fait ce qu'on peut. Donc, ouais, ça, parfait. Bah là, t'es bien, là, attends, parce que du coup, il reste plus que les poutres près. Non, ça, c'est les composants. Oh. Poutres en acier, attends, pardon. Poutres en acier, t'en as pris un déjà. Parce que là, pour il y a deux tas, là, les viewers. Ou il n'y en a que un. Non, il y en a deux. Ouais, Mira, t'en as déjà fait un des deux. Ah, on en a trois, nous. On en a trois, faut que t'en prennes un sur les deux, du coup, qui restent. Pour avoir les deux qu'on nous demande. Mais ça sera après, la suite. Oui. On a un guest. On a un guest, tout ça, qui ? On a un guest. Ah, coucou. Que le guest. J'ai failli rester dans l'ombre. Dans l'ombre. Elle est cachée derrière un arbre. Ah, oui. Elle est pas là. Elle est cachée dans l'arbre. Elle est peut-être cachée dans le bâtiment. Qu'est-ce qui t'amène Bah oui. Bah bonjour. Oui, tu peux dégager la toupie, s'il te plaît. Ah non, pas bonjour, c'est cucu. Voilà, déjà pour commencer, bonjour. Ah non, bonjour, c'est quoi, c'est... Non, mais je suis fatiguée. Tout le monde est fatigué. T'es là pour boire une bière ou quoi? Bah, pourquoi, vous avez quelque chose à m'offrir? Bon, je sais pas, Rick, sous le camion, t'as pas ça? Un petit coca, c'est... Regardez si Kaya en a laissé dans la glacière. Par contre, il prend pas de coca. Si c'est Kaya, je suis pas sûr. Ah, Pepsi, c'est bien. Non, on n'a pas vu ici. Non. Lef ou Grimbergen ou. Oh, je cite des marques, oh mon dieu. Ouais, surtout qu'on est en Allemagne et c'est des bières belges que tu cites. Ouais, au Kronenbourg. Oh là là. Français. Attendez, si citez plein de marques, que ça soit noyé dans le truc là. Non, mais si, j'en ai dit trois, il faut en dire trois apparemment. Bitburger, Salmon. Non, mais vraiment, il faut dire trois qui ressemblent. Tu n'auras pas trois marques au hasard. Hein. Bah, Bitburger, c'est bien une... Ouais, mais c'est pas une boisson. Ah si. Ah, c'est une bière. D'accord. C'est une bière de Bitburg, la ville. Bitburger, d'accord. Ça fait penser à un burger à la... Bref. D'accord. D'accord, ok, gagné. Et dans les séries, il y a des burgers qu'ils ont inventés, là, dans la série. Mm. Les mondes de... Qui a inventé des burgers? On va au Big Burger, machin... Les noms de burgers, il y en a plein. Ça s'appelle, c'est Big Baby Burger, je crois. De quoi tu parles? Big Baby Burger. Dans Flash et dans... Dégagez la zone. Comme ça. Ça s'appelle Big Baby Burger. Quand il faut dégager aussi les matériaux. Non, c'est bon. Non, c'était la zone, c'était le carré bleu. Ok, on a encore des éléments de plafond en béton. Ouais, bah écoute, poursuis, hein, TVH, si t'as l'air chaud pour ta grue, là, vas-y, hein. Tiens, vous avez remarqué là que pour une fois c'est le plafond, c'était directement dessus. C'était pas celui du dessous, contrairement à d'habitude. Mmh. Ouais, on pose le plafond après le plancher. Non, mais bah, d'habitude. Quand il y a un tas de plafonds, d'habitude on prend le celui qui est tout en bas. Et du coup ça fait voler ceux qui sont au-dessus. Et là non. C'est directement celui dessus. C'est pour ça que je dis ça. Donc quoi, oh, oui, non, t'aimes ça, bien les burgers, c'est ça. Quand tu les prends au-dessus. Tu sais, quand tu les prends sur la tranche là. Là, tiens, tu vois, ça fait un peu. Ça peut quand même. Bah, c'est quand même pas top. Regarde ça, j'arrive à faire bouger une poutre en acier juste en marchant. Écoute, t'es fort. Une seconde. De quoi tu parles? Les deux poutres en acier, là, je suis en train de les bouger. Là. J'en vois pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, de quoi tu parles? Bah là, les deux poutres en acier qui sont devant moi, là. Oui, en plus, attends, en plus, j'entends le bruit, mais y'a rien. Je vois rien, moi. Regarde ça, je suis en train de les bouger. Boum, oui, on entend. Je m'en fous avec. On entend, mais sauf qu'on les voit pas. Eh, le jeu est bugué, les viewers. J'ai l'impression que pour cette vidéo, là, c'est un truc de fou. Il part avec la poutre. Bah, il part avec toi déjà. Ah, non, elle tombe. Hop là. Bah, on entend le bruit, hein. Moi j'entends le bruit. Elle est debout. Elle est debout en train de danser, on dirait un ver géant. Mais attends, les poutres sont. Regarde ça, elle tape dans le camion là. Elle va exploser le camion. Elle est coincée sous le camion. Elle est vivante. Ça, sans déconner, ce on dirait un aileron de requin, elle est en train de faire le tour du terrain. Totalement excellent. Ah, c'est dommage que tu le vois pas parce que là c'est non, pas. Non. Non, mais je l'entends par contre, j'entends très bien le cling 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 cling. N'inquiète pas, Ah, il s'est arrêté là. Ah, non, ça repart un peu. Du béton. Ah, faut couler du béton.
Oui. Allez, Eric, les béton. Allez, vas-y, mets c'est ton véhicule. C'est ce que j'allais dire. Allez, bah oui, mais je peux pas placer la pompeuse du coup, parce qu'il y a... C'est ça qui me gêne, là. Vas-y, déploie-toi. Oui, mais je peux pas écarter les, jambes. Je peux pas écarter les jambes de la pompeuse. Un peu de chantier. Ça me dit que c'est bloqué par la poutre. Bah attends, attends, moi je vais te le faire. Parce que moi je vois pas ta poutre. Donc attends, elle est où la poutre? Bah elle est au niveau du pied arrière droit. Non là. Mais attends, mets-moi je vais où bouger, tu veux. Je vais non. Mets-moi où tu veux que je te fasse. Ah non, c'est bon, je vais le faire. Attends. Bah, je sais pas, t'as voilà. Voilà. Ah bah non, ça touche quand même. Bon, attends, vas-y, moi je vais le faire. Vas-y, pousse-toi, pousse-toi. Hop. Sors de là. Bah attends, il me dit d'attendre que ça soit arrêté. Essaye sans bouger, voir tu si tu tires ou tu pointes. Bon. Ça marche très bien. Les, ça vient de me mettre, les béquilles stabilisatrices sont bloquées, que ça vient de me dire. Bah pourtant, regarde, tu vois bien qu'elles elles sont posées là, donc c'est bon. Oui, hein. Oui, mais ça m'a mis le message quand même alors que. L'entrée est bloquée par un composant dangereux, réinitialiser les composants. Bah oui, ah, pourtant d'accord. Ça paraît de poser problème. Posons pas de questions, et t'as juste le médecin. Si, ça me met le message en boucle, mais bon. Je peux quand même m'en servir, tant mieux. Alors, je vais ouvrir l'arrière. Voilà. Alors, vous avez vu hein, les viewers, malgré qu'ils soient buggés, on arrive quand même à faire ce qu'on veut, mais c'est un miracle. C'est juste un miracle. Bien joué, oh là là, c'est bon. Voilà. Et là je vais faire un. Alors il faut faire vider, non, il faut remplir d'abord. Oui. Mais pour vider, il faut remplir. Alors, j'ai fait vider, bon, c'est la connerie. Remplir. Voilà, voilà. De construction. Et coulage. C'est parti. Cool. C'est parti, ça coule. Ça c'est fait. Donc, bah vas-y, étale. Hein. Qu'est-ce que tu dois bétonner? Parce que moi j'ai pas vu ce que tu dois. Le plafond. Ah oui, du coup, oui, t'as posé le plafond. Eh, c'est marrant parce que ça coule, il pleut dans ma maison. Hein. Attends, quoi? J'ai pas regardé. Il pleut du béton à l'intérieur, fais gaffe. Ah, ah si. Eh, va mettre des traces partout. Bon ça va, eh, heureusement que ça va super. Franchement, t'imagines faire toute la surface? Ah bah c'est difficile. Enfin en difficile pour le faire. Hein. Oui, non mais c'est pour ça qu'on est... Alors je vous rappelle, les viewers, nous sommes en bas, hein, heureusement, parce que sinon... Non, c'est un cauchemar. Après, il faut essayer de trouver où est le trou, tu sais. Là, on en a mis un tout petit peu moins pour terminer le dernier pourcent. Tiens, vu que vous avez testé... Bah, sur une très grande surface comme ça, t'as quand même un pourcentage. Quand on skip les étapes de... Par exemple, qu'il y a un bug, on skip. On n'a pas de rémunération pour l'étape. On n'a pas essayé. Enfin, on a pas fait attention, excuse-moi. Ok, parce que normalement, par logique, les développeurs ont dû mettre ça en place. Si tu skips, t'as pas le droit à la somme. Parce oui, que quand même, c'est un peu débile. J'espère, je sinon. Le jeu en okay. Heure, voilà, oui. On fait tout. Non, même pas. Tu fais toutes les campagnes en 5 minutes et c'est bon, t'es riche. Ouais. Hein, au revoir. Allez, fini le jeu, fini. Hop, au suivant. Les trophées Steam et tout ça. Non, parce que je trouve Steam, faut aller chercher les 100 ou 2 marteaux de là-bas. Alors Rick, je suis derrière, hein, je suis prêt à remettre du béton parce qu'en fait tu vois pas mais il nous reste que 10% de béton dans la béton. Oui, vas-y, remets-le parce qu'on a 75%. Oui, mais je crois qu'il faut que je vide d'abord. Puis remplir. Puis couler. Ça coule ou pas là? Ouais, ça coule. Bon. Là tu devrais avoir assez par contre parce que vu que je viens de faire le plein, t'as que 20% à faire. Hein. Je vais pouvoir aller voir ce que tu fais. En même temps. Ouais, non, là franchement, t'en mets partout. Hein. T'as pas besoin de t'emmerder à faire ça bien. Voilà, 100%. Ouais, c'est chez Kling. Ouf, voilà. Ça sèche vite. Allez, la grue. Un séchage rapide. Il est où le grutier? C'est bon, il est là. Le grutier, il arrive. Voilà. Je regarde au passage, encore une fois, les vieux, hein, l'avancée. Mais je crois qu'on avance relativement vite, là, c'est... Ah non, là, il y a un peu de boulot. Non, bétonnage, on l'a fait. Donc après, il y aura déballage quand ça va être en haut. Et après on a fini hein, pour info, hein. Livraison de matériaux, déballage, pilier de soutènement, poutre, déballage encore une fois, et où briefing. Sont les poutres? Les poutres étaient derrière. Grosse mission. Bon, vous avez vu là, donc les viewers, il y a des chances que la vidéo soit un petit peu plus courte que d'habitude cette fois. Parce qu'on a bien avancé en fait avant, c'est tout. On a bien calculé notre temps. Où sont les poutres? Quelqu'un pour l'emplacement? Ah bah c'est les deux poutres que j'ai vues. Les poutres, tu les as dans les mains les poutres là? Ouais, mais je les pose où? Bah sur le toit. Ah non, ça c'est les palettes de bois et les palettes de tout l'onduleux. Ouais, faut chercher le truc bleu alors là. À côté du camion. C'est pas les palettes de tôle ou palettes de bois? C'est quoi ça?
C'est les palettes de bois qu'il faut poser ici. Non, les palettes de bois à côté du camion. D'ailleurs, je pourrais envoyer les cages. J'avance, hein, TVH, je regarde si de l'autre côté il y a quelque chose. Je vois rien de l'autre côté. Dis-moi. Y a rien ici. Mais écoutez, je vais le poser au sol, vous cherchez, vous m'en dites. Ouais, il faut qu'on t'en dise. Bah, est-ce que les cadres de transport, vous les avez déjà rendus ou... Non, les cadres de transport. Non, parce que j'arrive pas à les rendre là donc. Ah, alors, est-ce que je vais faire ça? Attends, petite chute d'abord, et après faut qu'on cherche les poutres, hein, Rick. Peut-être que c'est en dessous du camion d'ailleurs, passage. Moi, je vois des poutres en bleu ici. Est-ce que tu vois la même chose que moi, Gadu? Ah bah là, on a un problème, c'est que moi je les vois pas. C'est des poutres que je voyais au sol que je vois qui manquent. Attends, j'entends de rendre d'abord les cadres de transport. Non, mais ça, c'est parce que c'est un problème d'affichage en fait. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est dans le coin. C'est où? Non, là. Ça, c'est celle que je voyais par terre. Alors moi, je ne vois rien en bleu, moi. Oui, oui. Plafond, là, je vois les poutres, mais c'est celle que vous avez posée tout à l'heure. Putain, c'est... Faites pas gaffe au bruit. Mais attends, c'est sous un véhicule, du coup, Rick, ou pas? Attends, je monte sur le toit. Enlevez les deux trucs sur le toit, là. Parce qu'on n'a plus besoin du béton. Oui, il y en a deux sur le toit, effectivement. Mais donc ça, c'est palette de tôle ondulée. Et ça, tôle ondulée, oui. Palette de tôle ondulée, les deux, ok. Vérifie sous les véhicules, là-bas. Vas-y, que tu dégages les trucs, on n'a plus besoin. Non, on va pas les dégager parce qu'en fait, enfin, si je peux les écarter, c'est ce qui m'embête plus en fait, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? Tombé du tout. Ce qui m'embête. Mince, d'accord, ok. Ça va peut-être apparaître après, hein. Attends, livre déjà les tôles ondulées, on verra. Oui, peut-être, j'espère. Bah, je suis censé les mettre en premier. Donc. Bah, alors, sinon, Rick, faut vraiment qu'on enlève les véhicules juste pour voir si c'est pas en dessous. Parce que j'ai peur que ce soit en dessous, en fait, on voit pas. Alors, autant ceux-là, on voit bah, en dessous. Comme tout à l'heure, en fait. Mais la remorque, on voit pas trop en dessous, rien. Ah, je pensais qu'il allait enlever la toupie, donc c'est pas grave. Ah oui, oui, effectivement, c'est à l'avant du tracteur. Bah, tiens, tu vois. Et en fait, on va pas les rendre parce que je rappelle qu'on a la mission ravitaillement et réparation à faire. Enfin, la mission. Le niveau d'amélioration. D'ailleurs, je vais y aller directement parce que je suis à côté. On va voir si ça fonctionne. On n'a pas beaucoup utilisé de carburant ni de réparation, mais. Allez. Le but c'est que on y arrive d'une manière ou d'une autre, même si on l'a très largement fait depuis longtemps. Oh, mais c'est bon, ça a marché pour moi. 72-68 maintenant. On va y arriver, hein. C'est un peu laborieux, mais on va y arriver. T'as réussi à le réparer, à prendre le carburant? Non, il est net. Hein. Enfin, il est à 100%. Il est full de partout. Il est déjà full béton. Le petit coquin, il est full essence. Full béton, full essence. Full... Il s'était caché sous le tracteur. Je vais vérifier, moi, le camion. Beau. Attends, pendant que tu places ça. Après, il faudrait faire un peu de déballage, mais attendez, je vais venir pour le faire le déballage. Donc, juste le coup d'essence en attendant. Et après, on aura quelques plaçages de poutres, mais ça... oh, dans 5 minutes, je pense qu'on a fini. Ouais. Est-ce que la question que j'ai posée, est-ce que Miss Huawei s'est barré encore une fois? Oui. Ça, c'est fait. Ouf. Un coup de boule. Attends, je suis écrasé entre. Non, écarte les poutres. Ok. Faut que tu partes, quoi. Ouais, faut aller sur le toit. Ah. Non, ça m'arrange pas. Sur le toit. Ah bah, il va être costaud à placer ce. Tout ce côté-là, il va être. Ça passe. Tu fais quoi, Gabe? J'essaie d'emmener le véhicule en fait à la station et. Quoi? Je fais rien. Il y a tout qui arrive devant. Ah. Ah, ça va être chaud, hein. Allez, carburant. Oh putain. Hey, le gars du, il m'a décalé la caméra, c'était horrible. Alors, est-ce que ça a marché, les viewers? 72-72. Il y a un des deux qui a marché, mais pas le deuxième. Bon, alors Rick, du coup, on peut tout renvoyer en passage. Attends, peut-être que... Oh, c'est pas bon. Ouh. T'en tombe. Ah, j'essaye de la retenir. Vas-y, soulève-la avec les dents. Ouais, c'est bon, ça a marché. Carburant et réparation. 76-72, mes yeux. Voilà. On est plus qu'à 6 et à 7. Vas-y, mollo. Voilà. Ça devrait être bon, tu relèves. Alors, tu peux, Rick, pendant ce temps, c'est bon. Tu peux tout renvoyer, Rick, au passage, les véhicules, là, moi, je sais pas ce qu'il nous faut, en fait, ce qu'il nous reste. Je crois que la bétonneuse, tout ce qui est béton, là, on peut ramasser. Poutre, bah, c'est tout, il nous faut juste la grue. Faut déballer sur le toit. Non, mais à ramasser, je parle, à remettre dans l'entrepôt. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Bah, parce que là il y a tout. Personne déballe sur le toit. Et j'arrive sur le toit, justement. Ok. Parce que du coup maintenant j'ai bien utilisé avec la station service là, pour la réparation. Oh, ça va, 72-76 on est pas mal. J'arrive là, je vais déballer ça. Ouais, et des fois on a besoin d'être 3, des fois on a besoin d'être 4, hein, ça dépend des fois.
Il trimballe, c'est bon, ce fou là. Il y a des poutres qui volent dans tous les sens comme ça. C'est... Tout me péter mon mur, ça va déballer. Je déballe ça aussi. Hop, c'est parti, ça déballe. Voilà. Ah bah okay, c'est déjà posé, d'accord. Fini. C'est fini là. Attends, comment ça c'est fini? Mon avis. Ouais, attends, démonter là, la... Faut qu'on parte, mais faut qu'on parte... Oui, faut démonter la grue. Oui, parce que la grue, sinon, va nous poser problème. La grue, on peut pas l'amener à la station service, je peux toujours rêver. Hein, j'arrive pas à démonter la grue. Ah. Là, je dis, on sait jamais. Sous le bras, tu la mets sous le bras et tu y vas. Voilà. Comme ça. Ouais, voilà. Parce que j'ai pas réussi, genre, attends, ma poche était trop petite. Par contre, je pense qu'il faut la remettre dans l'entrepôt, parce que j'ai dû la démonter, mais elle est pas encore dans l'entrepôt. Non, elle est dans ta poche, en fait. Non, elle est pas dans ma poche, elle est... Si, tu peux la remonter... Non, elle est pas dans ma poche, elle est sortie. Non, c'est pas ça. Mais non, elle est plus là. Oui, non, mais elle est plus là, mais... Oh, si tu retournes dans la zone de la grue, tu vois qu'elle est là. Bah, tu peux la poser. Oui, mais toi aussi, tu peux la poser, donc elle est pas dans ma poche. En fait, elle est juste sortie. Non, mais elle est dans la poche, elle est dans notre poche. Elle est devant l'entrée de l'entrepôt, en fait. Ouais, enfin, faussement dans l'entrepôt. Est-ce qu'on peut la rendre, du coup? On peut la rendre, ouais. Bah, tant qu'on y est, comme ça, moi, ça va être fait. Il n'y a plus que moi qui est dedans. C'est normal, je traîne un petit peu. Retour. Viens, Rick, on va s'acheter une petite canette à la station. Voilà. Pas c'était le seul truc qu'on avait en location, Rick. Ouais. Écoutez, combien la grue neuve, on peut pas l'acheter, non? Oui, on pourrait. Bon. Bah, on se sortons, hein, si vous voulez, dans ce cas-là, de la zone. On l'achètera au prochain chantier. Ça vaut combien? Je regarde. Ouais, bah oui. Toc, entrée. Alors, grue... Sinon, la petite grue, c'est 160... Alors, 97 000, la toute petite. Non, mais prends la plus grosse, hein. Nous, on fait pas dans le détail. Le modèle... Alors ça, c'est celle qu'on avait, c'était 97 000. Le modèle cher. Au-dessus, c'est 175, et la grosse, c'est 256, moins 5%. Tu sais quoi, peut-être qu'on prendra un bulldozer pour terminer, là, les 12... Un bulldozer ou un rouleau compresseur. Un bulldozer, ouais. Prends le gros... Bah, tu prends celui que tu veux, celui qui marche. Le gros Caterpillar, là. Ouais, le Caterpillar. Non, mais tu veux le prendre maintenant? Non, mais je disais, on le prendra, pas forcément maintenant. Bon, bref, pareil. Sors déjà, ramène-toi, faut que tu sortes. Sorte de quoi? Bah, de la zone. Je suis dedans. Voilà. Tu prends là. Ok, ça c'est bon. Donc normalement, alors, je vais la mer. La mer est bien passée à droite, hein, les vieux. Donc normalement, ça c'est bon. Je regardais juste à combien on était, mais voilà, c'est la dernière étape, donc c'est pas mal. Et on n'aura rien, là on a déjà... Regarde, la une des journaux, Gadu. Où ça? Là où je suis. C'est quoi, un accident? Non, c'est... C'est time to build. Time to build, effectivement. Non, je pense qu'il regardait les cartes postales. Je suis sûr qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Merde. Des clins d'œil, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Des easter eggs, voilà. Ouais, voilà, t'as un chien, une fleur, wash your hands. Je sais pas, on sait jamais. Lavez vos mains. Bref, on va parler à la mer. On va terminer donc cette zone. Ah si, là, y a un tractopelle. Oui, enfin, ça c'est pas un easter egg. Il y a un tractopelle. Ouais, ça c'est pas. Enfin, non. Et il y a une pelleteuse en haut. Effectivement, t'as des easter eggs. C'est pas un easter egg, ça, non. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mer? L'aire de repos dans un bon emplacement et sera, nous l'espérons, remarqué par de nombreux conducteurs. Au moment venu, la mise en place d'autres murs anti-bruit sera considérée par d'autres endroits. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une idée. D'abord, les tâches plus urgentes nous attendent. Alors, lesquelles? D'accord, on ne saura pas plus. Et donc là, normalement, ça se termine, on a une jolie animation. Voilà. Et ta terrasse? Ouais, très sympa, hein. Avec vue sur les poubelles. Voilà. On va jeter quand même un œil, on va vous spoiler, les viewers. Ils ont lu une cabine téléphonique. Pour l'épisode suivant, qu'est-ce qu'on a? Non, on a déjà bien. C'est une douche. On a presque fait trois. Enfin, ouais, plus que le dernier. Un village dans la tourmente. C'est une douche extérieure. Ah ouais, là, ouf, la vache. Ouf. Bon, on va mettre aussi au minimum celui à quoi on le fera, les viewers, hein, parce que sinon, là, ça va être compliqué. Là. On va faire une route de contournement, un coude de la rivière. Et le plus élevé fait 1,4 million, hein. Le moins élevé fait 500 000, je pense qu'on fera ça, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Même si, je t'avoue, il y a très très peu d'étapes. On n'a que 6 étapes à faire, dont le briefing et le débriefing. Donc il n'en reste plus que 4. Sauf que, j'imagine, voilà, travaux de voirie, à mon avis, construction de route, celle-là.
376 000 à mon avis, on en a pour très 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 longtemps. Donc peut-être qu'on fera qu'une seule vidéo, les viewers, mais avec des ellipses, j'imagine. Quoi, le projet prestigieux? Voilà. Non, la route d'accès, tout ça, c'est rapide. Route sur le fort facile. Bah, 579 000. Ici, deux notes en dessous, c'est que c'est pas aussi rapide que ça. Mais bon, bref, la on verra d'accès, ça. Route d'accès, c'est 193. Non, mais je sais pas de quoi tu parles. Oui, route d'accès, il n'y a pas trop d'accès, là. Pour le projet prestigieux? Ah non, liaison de transport, oui, ah oui, on n'a pas fini, c'est vrai. Oui. Voilà, route de contournement, le village dans la tourmente, celui qui est tout à droite. Ah oui, ah ouais. Bien, ah ça, lui, c'est intéressant. Ça. Lui, il est parti, le bulldozer, il va servir. Il est parti ici, lui. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut qu'on fasse. Ah, j'aime bien faire des routes. Donc peut-être que le bulldozer, voilà, celle-là sera le moment d'acheter le bulldozer, justement pour terminer, je rappelle les viewers, le niveau d'amélioration M, parce que du coup, on est déjà à 72-76% au niveau réparation et essence, donc on ne doit pas être trop loin. Il nous manque juste à acheter un véhicule et ça sera peut-être justement le bulldozer. Ah ouais, 1,4 million en élevé. Vu ce qu'on a à faire, ah parce ouais. que si après on fait la route, il nous faudra clairement le bulldozer. Donc le bulldozer est le plus intéressant, ainsi que le rouleau compresseur. Voilà. Bah bon. Justement, on a prévu de l'acheter, bah voilà. On verra ce qu'on va faire. Et le finisseur. Non mais on n'aura pas assez de sous pour tout acheter. Non parce qu'il faut aussi qu'on goudronne. La machine qui goudronne. Oui, bah si c'est le finisseur. Ça, c'est le finisseur, d'accord, ok. Bon, ça fait peut-être beaucoup. On a que 840 000. Le finisseur, on s'en sert rarement, moins que le bulldozer. Donc. Bah voilà, donc le bulldozer pour moi c'est évident, et le rouleau compresseur, j'imagine qu'on va s'en servir aussi. Mais... Vu que c'est pas très cher, vu que c'est sympa, vu que j'aime bien, peut-être qu'on va le prendre quand même. Bref, on va se laisser ici les viewers, et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.